Ah oui, les qualités. Vous avez été très nombreux à me demander quelles étaient les qualités essentielles, les qualités cardinales en fait, pour pouvoir faire ce métier dans de bonnes conditions. Mais j'ai envie de vous dire qu'elles sont très nombreuses, ces qualités. Vous allez voir qu'on va les distinguer sous deux grands groupes. Finalement, vous aurez un premier groupe avec des qualités techniques. Vous savez, ces qualités que vous allez acquérir grâce à des formations, comment rédiger un mandat dans de bonnes conditions, comment faire en sorte que mon texte publicitaire soit construit, comment faire de belles photos, comment aussi apprendre à rédiger un compromis de vente. Et puis, vous avez toutes les autres qualités, celles qui vont faire un petit peu votre personnalité, celles qui émanent de votre comportement. Je pense par exemple au suivi, à la qualité d'écoute, le fait que vous soyez curieux. Toutes ces qualités finalement qui sont propres à vous et que vous allez mettre en avant, vous allez voir que ces qualités qui font votre savoir-être sont généralement dominantes et que sur l'ensemble des qualités, eh bien, c'est celles-ci que souvent vos clients vont retenir. N'oubliez pas que vous êtes encore une fois dans l'accompagnement et l'accompagnement par l'humain est essentiel. Donc ces qualités-là vont être mises en avant. Nous aurons bien évidemment l'occasion d'en reparler.